J'ai récemment eu la chance de réaliser un de mes plus grands rêves. Mais j'avoue, jamais j'aurais pu imaginer les conditions dans lesquelles on allait être. Personnellement, je suis quelqu'un d'assez casanier, qui n'a pas vraiment l'habitude de sortir de sa zone de confort. Mais là, j'ai voulu dépasser mes limites. Vivre une expérience unique. Un truc qui va vraiment me marquer à vie. Là, t'as peur, là. Non. J'ai passé 7 jours et 7 nuits en plein cœur de la savane avec des toutes petites tentes et surtout en compagnie des animaux les plus dangereux. Avec aucune sécurité et surtout aucun moyen de se défendre. J'ai vécu des situations improbables que je m'attendais pas à vivre dans ma vie. Vas-y, y a les éléphants. Vas-y, viens, viens. Des situations incroyables comme des situations de stress intense. M'a dit, on a un problème. Et je pense que vous avez pu le deviner, mais cette expérience m'a réellement marqué. Et forcément, laissez-moi vous raconter tout ça. Alors, notre aventure commence au Botswana. Dans le delta d'Okavango, qui se trouve à 6 heures de route de la ville la plus proche. Et quand je vous disais qu'on était au milieu de nulle part, c'était pas des blagues. On est littéralement dans le cœur de la savane. Dites-vous que c'est pas un simple safari. On est dans un des derniers Édens protégés de l'homme. Donc forcément, il n'y avait aucun réseau ni moyen de communiquer avec l'extérieur. Et j'imagine que vous posez la question, mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé là-dedans? Eh bien, laissez-moi vous présenter Mathieu, un aventurier incroyable qui est très présent sur les réseaux sociaux. Dites-vous que ce gars-là me fait penser à Elisa de la jungle, en mode il parle à des animaux. Genre, voici lui qui parle à des gorilles. Et c'est à la suite d'une story que j'ai publiée en compagnie de petits chats que j'ai trouvés dans la rue que Mathieu m'a envoyé ce message. La prochaine fois, tu feras ça avec des lions. Et moi, tout naïf, je lui réponds, bien sûr, ce serait mon plus grand rêve de faire ça. Et 3 mois plus tard, on y est. Et évidemment, pour être sûr de pas se perdre, on était en compagnie d'un guide. Je vous présente Nando, un ranger, mais surtout la légende, et qui est notre guide durant tout notre séjour. Et sans lui, on serait probablement mort plein de fois. Avant d'arriver sur place, il y avait beaucoup, mais beaucoup d'animaux que je redoutais. Mais il y en a un en particulier qui m'a fait faire des vrais cauchemars. So Nando, yeah. First off, what kind of danger we can face in this kind of place? Wow, good question. Yeah. In area like this, as you can see how dense it is, yeah. There's lots of dangerous animal or lots of potential dangerous animal in the area. Animal like lion, leopard, elephants, snake, they are very dangerous. Especially if you don't see him and you're walking towards him, and if you didn't see him before he saw you, he will lay down. And when the time will come, when he pop out, you'll be trying to run away. Whatever runs away to him is a meat, or it's a prey. Yeah. And I was wondering, what do you think is the most dangerous out of all the predators here? I would say the most dangerous one, it's a hippo. Donc là que je résume la situation, on va voir des hippopotames et des crocodiles dans l'eau, avec ça, avec cette gondole sans moteur. Tout à fait, Mehdi. Mais la rivière elle est petite en vrai de vrai, genre l'espace pour les bateaux ou les hippopotames, ça va être serré, non? Ça va être serré. On y va? Ouais, de fou, je vous suis. La pression monte. La pression monte. Thank you, attention. Vraiment, c'est, y a pas possible d'équilibre. Oh là là, Léo, la balance du truc. Oh ouais. Mathieu. Ah ouais, la balance. Dans quoi je me suis embarqué? Oh, la balance, elle a l'air tellement. Oh. Ouais. Faut pas faire de mouvement bouge. Ah, je ne bougerai pas, promis. Oh,
le dire, c'est très relaxant, très reposant. C'est une belle ambiance. Franchement, c'est, je dirais même que c'est poétique. Ah, je pense que vous allez dire, c'est waouh, Maddy, c'est beau. Vas-y. C'est beau, Maddy. Ouais, merci. Bon, d'accord, je t'ai pas demandé de le dire, ça. Non. Ça, l'oiseau qu'on a devant, ça s'appelle un jacana. Ok. Et on l'appelle l'oiseau Jésus. T'as l'impression qu'il marche sur l'eau, mais en fait, ses pattes sont immenses. Mais c'est incroyable. Je vais voir s'il s'envole, c'est impressionnant. Regarde. Mais non. Il marche. La taille de... C'est incroyable. Toi, tu m'avais expliqué une situation, là, qu'il faut qu'on partage. Où t'étais en bateau, et que c'était une situation effrayante. Que t'as dit juste pour m'effrayer avant de partir en bateau. Il s'est passé quoi? Bon, c'était pas sur un mokoro comme ça, mais c'était sur un petit bateau également. Okay. On s'approchait des hippopotames. Ouais. Et on avait mal identifié le nombre d'hippopotames. Et on s'est retrouvé avec un hippo qui était entre, disons, nous on était entre la rive et l'hippopotame. Ok. Il faut pas se mettre dans ce genre de situation parce que ça stresse l'animal qui peut pas se replier sur la rive en cas de danger. Ok. Et du coup, bah, il nous a chargés. Et c'est très impressionnant parce que l'hippopotame donc, ne sait pas nager. Donc pour charger, il dégonfle ses poumons. Il va sur le sol, mais de l'eau, quoi, ouais. En profondeur. Et puis il avance. Et du coup, il y a une énorme vague qui se dirige vers le bateau. Et il sort la tête normalement. Donc tu as vu sa tête devant toi? La tête est passée à 20 cm du bateau, heureusement. What? J'ai pu comprendre assez vite qu'on n'était pas chez nous. Ça, c'est le territoire des animaux. Oh là 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 là. Là, j'avoue, on a le droit à un spectacle merveilleux. Non, mais là, c'est... Non, mais là, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il faut que je chuchote ou... On parle pas trop fort, mais okay, okay. Ça va, on peut... T'as vu le Martin Pêcheur, ouais. Tu vois, il y a des éléphants, c'est plus fascinant. Et ouais. C'est entre 180 et 220 litres d'eau par jour, 320 kilos de branches et de feuilles et d'herbes mangées par jour. Toute la journée, ça fait que manger. Que manger. Vraiment mon plus grand souhait, hein. Franchement. Ça veut dire qu'on va devoir passer entre eux? Donc là, j'avoue, c'est un petit moment stressant. On va passer à côté des éléphants. Oh, je parlerai pas très fort. Oh, je ne parle pas. Oh. Ça, c'est les premiers signes d'énervement. Pas rassurant tout ça. Mais c'est un truc de fou là, on a la chance deux fois de les croiser en train de traverser. Ouais, c'est ça. Wow. D'accord, les mâles sont plus agressifs. Là, faut faire attention aux mâles parce que les mâles sont solitaires. Donc ils sont un peu plus facilement irritables. Et c'est tous des gars, tu penses qu'ils sont de la même famille ou c'est juste des... Pas forcément. Ok. Pas forcément. C'est des potes, quoi. Ouais, je tolère. Après vous, n'hésitez pas cette fois-ci, là, tu vas prendre le risque, ok? Y a pas que nous. Oh merde. Non merde, ça parlait trop vite. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début, je vous avais dit qu'il y avait un animal qui m'avait fait faire des cauchemars. Et ben, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, mon plus grand souhait, c'était d'espérer qu'on ne les croise pas. Mais malheureusement pour moi... Pourquoi on va vers les hippos? Hippos, when walking towards them or walking to them between them and water, it's like you try to push them out of their house. Because that's their office. Yeah. Now, when they come out from the bush, they're heading to their office. Yeah. They'll be fighting. They open their mouth and come running. If you don't run away, you're dead. Wesh, mais on va vers eux. Mathieu? Ah oui. Oh, je te jure, je suis pas bien là. T'es pas bien? Je vais survivre, mais enfin, je crois. Okay. Ils sont juste là. Des hippos. Allez, vas-y, on s'approche. Yeah. Yes, we can go closer, no problem. Yeah, because you are filming, so you have to. Yeah. Okay. Hey, I have to manage.
Je retire mes lunettes comme ça, je suis sûr de pas les voir en HD, tu vois. Ça va me rassurer. Là, là, là. Et on se rapproche dangereusement. Là, je vous jure, j'ai jamais senti un stress aussi intense de ma vie. J'ose même pas les regarder tellement. Ils sont juste là. Mathieu ? Ouais. Juste pour confirmer, le plus grand tueur d'hommes après les moustiques en Afrique, c'est quoi déjà ? L'hippopotame. D'accord. Ce truc qui est devant nous là. Oui. Genre là, j'en vois 4. Il pourrait en avoir 7 là. Ah, je pense qu'il y en a, ouais, 5, 6, 7, hein, franchement, minimum. Hein. Ah, ils arrivent. Comment ça, ils arrivent ? Oui, ils arrivent pour de vrai ? I did got charged by a hippo. Actually, we were looking for a leopard, and then we didn't see the leopard. Immediately, we see a hippo, but he was munching, coming towards us. And then within 15 minutes, the hippo was charging. On est d'accord que c'est pas le seul truc dangereux qui est sous l'eau, non ? Ah bon, il y a les crocos dont il faut un peu se méfier, mais en vrai, ça va. Et les éléphants. Après, peut y avoir... T'as dit crocos, ça va ? Oui, parce que les crocos, ils vont, c'est pas des, enfin, ils attaquent vraiment quand ils se savent en facilité, quoi. Et, ouais, là, donc ils me voient moi, forcément, ils vont se dire, ouais, non, c'est trop compliqué, lui. Ah, si, il y a les poissons-tigres. Comment tu ça, tu connais pas les poissons-tigres ? Les poissons-tigres ? C'est quoi, c'est des Pokémon ? C'est des poissons qui peuvent faire, je sais pas, je dirais 80 cm. Ok. Et qui ont des dents, mais les piranhas à côté, genre, c'est des petits garçons, quoi. Tomber dans l'eau, au niveau santé, c'est pas le meilleur... C'est pas top top. Attendez, je remets juste les lunettes pour être sûr qu'il y a bien des hippopotames devant nous. Eh ouais, ça a pas changé. Alors là, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais je vais tenter de naviguer le truc, sachant qu'il y a les hippopotames qui sont juste là. Ok. Bah alors, c'est pas mal, hein. Mathieu, il avait dit que j'allais tomber. T'es bien là, hein. Eh, hey, j'ai plus peur de vous. C'est qui le maître maintenant? C'est qui le patron? C'est moi. Non, franchement, bravo, hein. Je sais même pas comment ils ont fait depuis tout à l'heure. Là, on a traversé ça pendant 1h30, 2h. Je suis déjà essoufflé. Ah, c'est physique. Bon, pour ta première nuit dans la brousse, il va falloir que tu montes ta tente. T'as jamais monté une tente de ta vie? Non, j'avais monté une fois. Ouais. C'était dans la cour de chez mes parents. Donc imaginons que je réussisse pas à la construire, mais ça serait assez hypothétique, bien sûr. Je dors où? Elle a donné une toile. Ah. Tu veux la mettre où? On la met là? Ouais, ici, ça semble, attends. Ouais, ça sent pas mal, ouais. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, non. Juste en dessous d'un arbre à léopard. Ouais. Tac. Ok. Et maintenant, ça va être un jeu un peu de Lego. C'est quoi ce bruit? Jouer un éléphant. Ah, il y a les éléphants qui sont là-bas. Je les observe. Si jamais ils s'approchent, on bougera. Là, pour l'instant, ça va. En plus, ils s'approchent vers nous, non ? Là, ils s'approchent vers nous. Mais pour l'instant, ça va. En fait, ils sont dans la rivière. Ils se rafraîchissent, je pense. Ok, ok. Donc là, toi, ceux-là. Okay. Et moi, celui-là. Oh. Attends deux secondes. Oh. Du coup, tu vas ouvrir la tente pour qu'il y ait de l'air qui arrive. Tu vas même l'ouvrir jusqu'en bas. T'es sûr que t'as... Non, non, t'as mal fait. Non, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Oui, mon grand. Oui, mon grand. Alors peut-être, oui. C'est bon. C'est bon. T'es bien là? On est bien là-dedans. C'est bon. Là, c'est un lion, il voit une tente comme ça, il comprend pas, il attaque. Mon avis, Mathieu, sur les chances de survie de Maddy dans la nature? Non, mais il va survivre. Il est téméraire. Ça, c'est mon gars, ça. Je te paye bien. Je prends les espèces et la carte bleue. Tu me passeras l'aspirateur après. M'a dit il y a les éléphants. M'a dit viens. Non, je déconne. C'est de l'humour de Bruce. C'est de l'humour de savane. Donc là, s'il arrive quelque chose pour de vrai, t'as raison. Je vais faire comme haha, trop drôle et tout, après je vais attaquer. C'était une très mauvaise blague. Mais t'as très bien réagi parce que tu m'as fait confiance, t'as pas regardé derrière et surtout t'as pas couru. C'est bien, mais ça reste que les gens dans les commentaires vont se foutre de ma gueule. Ah, tu peux être fier de toi. Ah ouais ? Mec, t'as construit un abri de survie en brousse. Ça a pris le temps qu'il faut, mais... Voilà. Ça, c'est ma fierté.
Aucun prédateur qui rentre ici, là c'est chez moi maintenant là, vous avez pas compris là? Alors... Hey, je vous parle aux prédateurs là, faites pas les fous, vous savez pas qui je suis ici là. Il y a un truc que t'as oublié. Donc là tu viens de dire il y a aucun prédateur qui peut rentrer. Ah oui, rappelle pourquoi c'est important de... Alors surtout quand on dort dans la tente, toujours fermer la fermeture éclair, fermer la tente puisqu'en fait il fait plus chaud dans une tente et tout ce qui est reptiles, serpents, scorpions... Tu vois ça c'est un reptile là, wouah. Ouais. Ah ils sont finis, attention là. Ah voilà. Je vais fermer vite le truc là. Vous voulez un petit house tour? Non je sais, non mais franchement regardez-moi ça ce grand luxe. Donc là on est dans ma salle de bain, ma salle à manger et mon lit. Ça c'est l'optimisation j'ai envie de dire là, ça c'est le futur. Est-ce que vous connaissez beaucoup de maisons aussi qui sont lion-proof? On est vraiment dans la savane profonde, on est perdu. Et regardez ça, des traces de classiques posées par des éléphants, par des hippopotames et plein d'autres créatures qu'on veut pas approcher. Ouais, j'ai entendu un bruit effrayant là. Donc là, il faut que je te pose la question, comment ça se fait que ce truc là nous protège, entre guillemets bien sûr, de tous ces animaux là? Bon, c'est vrai que là, autour de nous, il peut y avoir potentiellement des passages d'éléphants, lions, léopards, hippopotames. Est-ce qu'on peut montrer un peu les, ouais, les alors, traces là? Là, il y a eu un carnage avant qu'on arrive. Donc on est vraiment au milieu de la savane, quoi. La biodiversité interagit vraiment autour de nous et notamment une rivière avec des hippopotames. Les animaux nous sentent, les animaux savent qu'on est à l'intérieur, mais pour une raison inexplicable, ils ne nous attaquent pas et ils s'en fichent, ils passent leur chemin. Moi, mon interprétation, mon explication, c'est que la tente n'a pas le comportement d'une proie. C'est-à-dire elle va pas courir à l'arrivée d'un lion. Donc le lion ne l'identifie pas comme une proie potentielle. Ok. Alors si jamais tu dors à l'intérieur, ouais, et qu'en pleine nuit tu te fais réveiller par une famille de lions qui passent vraiment, qui frôlent ta tente, ouais, si jamais tu ne bouges pas, les lions vont continuer leur chemin. Ils vont faire leur vie comme si rien ne s'était passé. Okay. En revanche, si tu te mets à allumer la lumière, à les observer, à dézipper pour mieux les voir, là, t'es cuit. C'est fini, ouais. Il y a une histoire comme ça, un peu tragique. Il y a quelques années, il y a une famille allemande, le père, la mère et les deux enfants, qui étaient venus ici dormir au Botswana. Et les deux enfants avaient une tente et les parents une autre tente. Et en pleine nuit, le guide qui avait fait le dîner de brousse, hein, comme tu as montré, on dîne autour du feu, avait fait griller des côtelettes, quoi. Okay. Et au lieu de mettre les os dans un sac plastique et de le fermer, il avait laissé les os en train de sur le feu, en train de donner une odeur. C'était... dans toute la brousse. Genre les lions, ils ont senti ça comme ça, là. Oh, attention, on arrive. Les hyènes sont arrivées. Ah merde, ok. Les hyènes sont arrivées, elles ont reniflé un peu autour. Là, les deux enfants, genre, ils prennent leur lampe torche, ils ouvrent et regardent les hyènes. Et là, deux autres hyènes qui étaient derrière sont rentrées dans la tente et ont tué tout le monde. Ah ouais, hein. Ouais. Et là, parce que j'anticipe déjà des commentaires qui vont me dire... Ah, c'est pas tant la vie sauvage et tout, vous avez une voiture et tout. Juste, est-ce que tu pourrais l'expliquer? Parce qu'il m'a raconté des histoires d'horreur. Franchement, là, je suis traumatisé à vie. Qu'est-ce qui se passe quand les gens décident de faire les fous et de se balader à pied dans cette savane? Eh bah, clairement, t'es une proie pour eux. Ouais. Donc, tu es en danger de mort. Tu peux te faire attraper par un léopard, par un lion, tu peux te faire attraper par des hyènes. Et puis, bien sûr, ça, c'est les prédateurs, mais tu as aussi des animaux très territoriaux, comme les éléphants, les buffles, les hippopotames, qui, eux, si jamais tu te rends sur leur territoire, te chargeront et te tueront sans problème. T'es pas n'importe où aussi. Je veux dire, il y a d'autres pays qui proposent des expériences où tu fais du safari, mais là, t'as choisi de venir au Botswana. Et le Botswana est connu par les guides, les spécialistes, les photographes animaliers, comme le plus beau pays du monde pour observer la faune, parce que c'est l'un des derniers Éden encore très sauvages, très préservés. Et c'est, pour l'instant, c'est peut-être le dernier, vraiment, la dernière zone sauvage préservée de l'homme. Forcément, il y a eu énormément de trucs qui m'ont surpris et auxquels j'étais pas du tout préparé. Mais il y a bien une chose que j'ai découvert à mes dépens qui m'a vraiment surpris plus que d'autres choses. C'est qu'on a dû souvent se déplacer en pleine nuit. Et c'est surtout à ces moments-là que la savane devient très active. Is it wrong if I say that elephants are actually the king of this area? Because they're not afraid of a lot of things here. I'll say there you'll be wrong. Okay. Lion is the king of the jungle. Okay. There's lions which are knowing how to attack elephants. Okay. There's lions who knows how to attack giraffe. On est sur une scène vraiment très triste et un peu hardcore à voir en vrai. On est sur une girafe, rest in peace, mon ami la girafe. C'est très impressionnant, on ne sait pas ce qui lui est arrivé pour l'instant. Les organes sont sortis, il y a encore énormément de viande dessus. Donc je pense que c'est des lions qui se sont attaqués à elle. Et là, on est entouré de mouches, genre, il y a une odeur aussi c'est très particulière. Horrible, franchement, ouais.
Mais voilà, c'est aussi ça la brousse, c'est des scènes un peu macabres. Je pense qu'on pourrait tenter de trouver qui sont les auteurs de ce massacre. Là, les auteurs sont pas loin parce qu'il y a encore beaucoup de viande et personne ne risquerait de perdre l'opportunité de manger autant de viande. Ils restent pas autour du truc pour être sûr Ils sont autour, ils guettent. Ah, ok, ils savent. Ils savent. Si jamais il y a une hyène qui arrive, tu peux être sûr que les lions qu'on cherche depuis 10 minutes maintenant vont sauter dessus. Là, ils nous voient, mais nous, on les voit pas. Dieu, c'est stressant comme ambiance là. Donc là, le projet, c'est d'attendre. Et à tout moment, vu l'odeur qui propageait, et surtout leur odorat de fou à tous les prédateurs ici, à tout moment, il y a quelque chose d'autre qui vient ici. Ça se trouve, mec, on a une chance sur 10 pour que quelque chose se passe. Hein. Mais sait-on jamais, on va essayer. Let's go. Sachez que Mathieu et Nando m'ont répété plusieurs fois durant le séjour que j'étais quelqu'un d'extrêmement chanceux. Et vous allez le comprendre tout au long de cette aventure. Regardez qui arrive, regardez qui arrive. Là, c'est une scène rarissime. C'est superbe de voir ça. Bon, pauvre girafe, mais c'est la nature à l'état brut, quoi. C'est extraordinaire. Dans les commentaires, F pour ma girafe, s'il vous plaît, là. Tu connais la référence du F ? Non. F pour respect, là. Attends, il y a un éléphant qui arrive, là ? On est sur une scène incroyable. Là, on est face à deux lions en face d'un éléphant. On dirait qu'on est dans une compilation YouTube là d'animaux qui se tapent. Mais regardez ça, ils sont littéralement à quelques mètres en face de l'eau. Quoi. Mais sachez que ça s'est pas du tout arrêté là, parce que l'odeur de la girafe a attiré d'autres prédateurs. Mec, c'est incroyable ce qu'on vit là. Les lycaons, c'est rare. Les lions, c'est rare. Voir une carcasse de girafe, c'est extrêmement rare. Et là, on a ces trois éléments ensemble. Les lycaons ont un odorat un million de fois plus développé que nous. Donc c'est sûr qu'ils savent qu'il y a la carcasse juste ici. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, l'interaction entre les deux. On a le lion qui va passer littéralement devant nous là. Oh, on a le deuxième lion qui vient de voir ses adversaires. Oh, je me sens comme un commentateur animalier, c'est incroyable. Oh, 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 attention, attention, regarde ça, ça court. Oh. Le lion qui a montré sa domination. Le lion qui leur a montré que c'était sa girafe. C'était magnifique ce combat de bois. Je connaissais forcément le cliché du lion qui était le roi de la savane, mais là j'ai pu le voir et le constater de mes propres yeux. Au Botswana dans les années 90, y avait une famille de 48 lions qui étaient obligés de tuer des éléphants pour se nourrir. Donc on comprit que s'ils voulaient se nourrir pendant au moins 10-12 jours, ils étaient obligés de tuer des rois énormes. On a eu la brillante idée de rester très près de la carcasse de girafe et d'attendre la tombée de la nuit pour tout simplement voir ce qui allait se passer et surtout on a trouvé un étang d'eau tout près. On s'est dit que là, forcément, il allait avoir de l'action. Ah, il y a des bruits stressants. Ouais, là, il y a tout un groupe d'éléphants qui arrivent, donc on va tranquillement se rapprocher de la voiture. Il vaut mieux commencer à bouger, je pense, en vrai. On y va. Dites-vous qu'en plus, on est vraiment dans l'endroit où tous les animaux viennent pour boire. Donc on va commencer à se faire un peu petit. J'ai pas peur de toute façon. Passe devant moi, Maggie. Alors comme je disais, tous les animaux qu'on a pu voir depuis tout à l'heure, c'est là où est-ce qu'ils viennent boire, s'hydrater et tout ça. Là, je me sens un peu téméraire, là, je me sens un peu fou. Attends, je me retourne pour voir. Oh là 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 là, c'est quand même fou de voir ça à côté de soi. They want to cross. Oh wow. Attendez, on est face à des chiens qui veulent peut-être traverser là. Des chiens. Pas n'importe quel chien évidemment. Ouais, c'est ça, essayez de traverser, vous êtes dans le bon jeu. J'espère qu'ils traversent pas en tout cas. J'espère qu'ils ne traversent pas. C'est ce que je pensais, c'est ça, mettez-vous loin. Oh merde, ils arrivent. Actuellement, on le voit absolument rien. On est dans mode full danger en ce moment là. Bien entendu. Là, les bruits qu'on entend, c'est un éléphant qui a sans doute vu les lions. C'est intense, là. Et là, on était face à deux lions quand même, peut-être que d'autres sont venus. Peut-être que les lions qui font partie de la même meute sont venus effectivement manger la girafe, ou peut-être tout simplement que des hyènes veulent profiter un peu de la carcasse de la girafe. Là-bas, c'est Team Deathmatch, là, il y a un gros duel qui se passe, là. Oh, ah ouais, non mais ces bruits, c'est effrayant quand même. If you go to the place Savuti, it used to be lions, pride of lions of 48. Which would jump on top of the elephant, and then you would see elephant start screaming and try to get in the middle of the thickets, running away. But have you ever seen a situation like that? Have you
worked with people who saw this? How do you know that? I worked with them. I've seen it. Oh yeah. There's a place called Trini right here. I've seen two times elephant killed by a lion right in front of me. What? Yeah. I'll say I'm the last person to see them killing an elephant. Yeah. Savuti, I've seen it twice. Lions take the elephant down. La nuit était terrifiante, surtout que c'était un endroit très 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 hostile. La savane devenait vraiment un tout nouveau monde en pleine nuit. Et alors qu'au moment même où je commençais un peu à m'habituer à l'ambiance, il nous est arrivé le pire truc possible en pleine nuit dans la savane. Alors là, Mathieu, situation complexe. Je tiens juste à dire, avant de dire quoi que ce soit, qu'on a traversé cette zone en pleine nuit et qu'on a vu lion, éléphant, hippopotame. On a tout vu. Oui, on a fait une petite crevaison normale. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais on roule sur des épines d'acacia et du coup, de temps en temps, ça crève. Le problème, c'est qu'on crève en pleine nuit et qu'il y a un moment particulièrement dangereux puisque c'est le moment généralement où les prédateurs comme les lions et les léopards chassent. Donc là, j'ai le spot et je regarde s'il n'y a pas deux petites billes qui brillent, et en général c'est des billes vertes. Heureusement que t'as la lumière pour les effrayer, un petit peu comme ça là. Là c'est sûr qu'ils les approchent pas là. Là t'as peur là. Non. Tu penses que t'as peur? Maman, je t'aime. Tu sais juste si on retrouve ce footage là, maman, je t'aime. Donc si on reste calme, tout va bien se passer. Ouais, je suis très calme, toi t'es. Yo, y'a personne qui panique ici, ok? Personne n'est stressé. De toute façon, t'inquiète, je leur fais des signes là. Y'a rien ici là. Allez, dégagez, y'a rien à bouffer, y'a air ici, les gars. Je tiens juste à dire que si j'avais une façon de mourir, je préférerais mieux que ce soit un éléphant. Lui m'écrase direct, y'a pas d'histoire. Also, I was very surprised by something. With you, is that you don't carry any weapons. Why this is true? Because there's so much danger. Why are you not like securing yourself with something? I don't know. Good question, and it makes sense. Yeah. My main weapon, it's a vehicle. We don't carry weapons at all. When I'm in the car, I've got a weapon. Because what we're trying to do is to not show them that we can do something bad to them. And we give them a big respect. Là, on est dans un endroit avec que des lions. Que des lions. Imaginez notre pneu, il lâche là. Il y a des lions partout. Il y a des lions. Quoi? Attends, il vient de dire qu'il va courir dessus si tu n'allumes pas. Allume-le vite. Allume, rafale-le Mathieu, tu veux que je le rafale? Non, il didn't move. Fouf. C'est ça. Reste dans ton coin. Là, préparez-vous, je suis en ce moment dans le moment le plus stressant de ma vie. Parce que si on allume les lumières, voyez ce qui se trouve devant nous. Alors qu'on est dans le noir total, pas de bruit, rien. Et apparemment ce lion est hyper agressif. On a dû l'agresser avec la lumière pour être sûr qu'il ne nous court pas après. Et il y a une raison pourquoi il nous aime pas. Il est en période de mate, donc il est en période d'accouplement. Et du coup, il fait très attention à sa femelle et il aime pas qu'on s'approche. T'inquiète, on va pas te la prendre, hein, frère, tranquille. C'est pour ça qu'on a gardé un peu nos distances. Imagine en pleine nuit, on l'aurait pas vu, il nous surprend ou peu importe. Bah là, si t'es à pied en pleine nuit, tu te fais attaquer. Good? Yes, okay, we're good, don't worry, you can go. Ouf. Plus jamais cette fois. Plus jamais genre de décalage là. Je vais te dire de te dépêcher parce qu'il y a un crocodile qui s'approche, donc allons-y. Let's go. Oh là, je suis stressé avec les mots. Vous avez bien vu Mathieu depuis le début, jamais stressé, même quand on doit traverser l'océan Pacifique avec des crocodiles. Mais il y a eu un animal qui l'a littéralement choqué. Préparez-vous, ça va aller très très vite. Attends, ça va s'en aller. Oh non. Oh my god.
Incroyable. On vient de vivre quoi là? Are you sure it was the fishing hour? That's a pearl fishing hour. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, tu sais, sur mon échelle de rareté là. Ouais. On vient de voir un truc, c'est 5,5, 6. Sur 5? Ah mais oui. C'est un truc, ça se trouve, je le reverrai plus jamais de ma vie. Là, je l'ai vu. Bon, bah, t'inquiète, on l'a vu. Là, je suis choqué. Attends. Moi, j'ai vu une chouette. Je me suis dit, oh, c'est cool, c'est un hibou, ça, on a Harry Potter et tout là. Mais attends, quoi? C'est pas n'importe quelle chouette, mec. C'est une chouette qui plonge et qui. Chouette pêcheuse. Donc, déjà, les chouettes, les hiboux, tout ça, ça se voit la nuit. Et c'est très, 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 très rare. Sur une échelle de 1 à 5 ou 5, ça serait genre le top de la rareté, ça, c'est du 5,5. What? Franchement, je peux prendre le risque que tu reverras plus jamais une chouette pêcheuse de ta vie. Ah ouais? C'est terminé. Je savais pas que le fait d'aller aux toilettes pouvait devenir une activité si stressante. Là, dites-vous, c'est ce qu'on voit autour de la tente. Ah, rien. Oh là là, c'est des hyènes. Elles sont pas loin, t'as dit? Elles sont pas loin, ouais. Merci pour l'antifrise. Hein. Mais, il y a quand même des hyènes à côté. Hein. Attends, quoi? Avec nos tentes là, avec zéro de défense là. C'est fou à quel point un moment, comme juste prendre sa douche, devient extrêmement stressant. À un moment, il y a un serpent qui arrive au milieu de ma douche, un lion qui se balade, les vêtements qui sont déposés. On va prendre la douche. J'aurais dû prendre ma douche en plein jour. C'est moins stressant. You know, for me, this is crazy where we live actually, because for you, you get used to it. Yeah. But the fact that I'm here, next to maybe some lions, maybe some hippos, and I've heard them. Oh putain, la blague. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus précieux, il y a des bruits de lion. Il y a des putains de bruits de lion. La nuit va être dure. La nuit va être vraiment dure. Je suis pas bien, je suis pas bien. Je vous jure, ça me stresse. Hein. Je suis pas conditionné pour ce genre de truc. Et j'ai vu à quel point c'était impressionnant. Allez, bonne nuit, je vais dormir quand même. Mostly the first night when I was here, I was very stressed. I was very, very, very anxious because for me, this is not normal. Hearing lions close. Also, I have a little tent protecting me, so it was very hard. Ça, c'est vraiment très proche. Tu sais ce que c'est? Non. Hippo. On est d'accord qu'il était vraiment près, là. Il est très proche, ouais. Et il est à moins de 40-50 mètres, là. Là, je pense que vous commencez un peu à comprendre. C'était comme ça tous les jours. On terminait nos journées à 23h et on les commençait à 5h du matin. Et surtout, on devait être toujours en déplacement parce que les zones où on dormait étaient totalement aléatoires. L'odeur de carcasse. Barbecue. Ah, hein. Ça c'est la fameuse chouette pêcheuse qu'on a vu hier. Qu'on a vu pendant 30 secondes à peine. Elle s'est envolée. Mais t'as vu, elle a une tête quand même très particulière. J'avoue. Il y a des ornithologues qui viennent du monde entier pour essayer de la voir. Ah ouais. Mais oui, parfois pendant plusieurs mois, ils restent dans le delta pour essayer de la trouver. Mais c'est un animal, c'est un oiseau un peu légendaire. Ah ouais, donc là on a vraiment eu de la chance. Hein. Wow. Une chouette qui pêche, c'est la seule au monde. Et surtout, on a eu énormément de chance parce qu'il n'y avait aucune journée qui se ressemblait. Tous les jours, de nouvelles surprises. Sous le buisson, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas? Ah ouais, attends, quoi? Les licaons. C'est ce qu'on a vu hier pendant la nuit. Les meilleurs chasseurs de la brousse. Des animaux rarissimes. Vraiment, il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut les observer. Et le Botswana, et notamment le delta de Kavango, est peut-être leur principal royaume. Mais ils sont trop mignons, ouais, ils sont trop beaux. Fascinants. Leur technique de chasse est incroyable. Personne ne l'a comprise, mais ils attrapent leur proie 9 fois sur 10. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas une mâchoire assez forte pour achever l'animal. Et du coup, à chaque fois, c'est des scènes complètement gore, où en fait, l'animal a les entrailles à l'air et il est encore vivant en train de crier. Ils sont 15-20 à le mâchouiller, ils n'arrivent pas à l'achever.
Et du coup, c'est des scènes de chasse vraiment. C'est la torture limite là. Ouais. Ah, vraiment. Ouais. Et tu vois, c'est des animaux qui sont, contrairement aux lions, qui ont un rapport à la famille très développé. Ceux qui sont trop petits, jeunes pour aller chasser, et les handicapés ou les très faibles ou les très vieux restent à côté du terrier. Okay. Les plus athlétiques vont chasser, ils chassent, ils mangent et ensuite ils retournent au terrier, ils régurgitent. Pour micro-ondes naturelles. Le lion, par exemple, dès que tu as un membre qui est blessé ou qui s'est fait mal à la patte ou qui est plus assez fort pour chasser, il le laisse de côté. Ah ouais, hein. Les lions sont de droite. Ouais. Et les licaons sont de gauche. Mathieu, est-ce que tu me crois si je te dis que je commence tranquillement à m'habituer? Même les zèbres qui à l'avant. Oh, what? Non! J'avais zèbre. Mais non! Je me disais que ça se bat. Il y en avait tellement que c'était pas logique qu'on les ait pas vus. Mais enfin, des zèbres! Non, je t'avoue, je suis pas habitué finalement là. There's also a bubal. What's bubal? Hey, des zèbres! What's the name of the antelope of the left? Oh là là là. Est-ce que je peux faire le connaisseur deux secondes par rapport aux zèbres? Bien sûr. Est-ce que c'est vrai? Apparemment, c'est pas confirmé, c'est pas sûr à 100%, mais le fait qu'ils aient des taches, c'est potentiellement dû au fait que ça permet de pas se faire repérer facilement par les prédateurs. En tout cas, que les prédateurs savent pas vraiment combien ils sont. L'information est bonne, à la différence que c'est pas des taches. Excuse-moi, des waouh. Des rayures. Une des raisons, ça crée une sorte d'illusion d'optique pour le prédateur. Ok. Après, il y a une autre raison aussi, c'est pour les mouches. C'est-à-dire que mouches vont avoir beaucoup plus de mal à se poser sur un pelage zébré blanc et noir. Ah ouais, c'est débile des mouches. Hein. Tu sais quoi, je sais pourquoi je suis fasciné de voir ça en vrai. Ah, c'est vraiment des animaux mythiques. Hein. C'est magnifique. Est-ce que c'est pas... Yo, c'est fou de voir la variété là en face de nous là. Ouais, ça c'est vraiment l'art. C'est de nos impressionnant. What the fuck, on est vraiment dans le Roi Lion pour le coup là. What? Et là, bien sûr, Pumba. Mon gars, Hakuna Matata. Tu sais ce que ça veut dire, Hakuna Matata, en swahili? Non. C'est une langue qu'on parle en Afrique de l'Est. Ok. Ça veut dire pas de problème. Hakuna. Hakuna Matata, ok. Hakuna Matata. No problem. Yeah, yeah. C'est vraiment un plan magnifique quand même. On a cette impression d'être dans Jurassic Park. Et où ça fait plaisir de voir une mère qui aide son enfant. C'est beau ça, l'éducation. Ouais. C'est quoi ce bruit? Ah, ok. Mathieu, c'est quoi ce bruit? C'est des hippos, ça. Tu pouvais pas être moins rassurant en disant ça? Comme quoi, il y a des éléphants qui sont plus propres que certains streamers. Hein. Ils prennent leur douche. Et ça, c'est beau, franchement. La patte arrière droite est abîmée, ça pourrait être l'anthrax. C'est une maladie, c'est une maladie qui fait beaucoup de mal, notamment aux gros herbivores, et qui attaque notamment les pattes des animaux. Ah, pauvre éléphant, il y a force. Bah, en fait, le plus triste, c'est presque pour le petit, tu vois. Parce que si ce petit n'est plus sans sa mère, il faut vite qu'il se ramène du côté du grand groupe matriarcal pour qu'il puisse être protégé. Parce que s'il n'a plus sa mère, il va difficilement passer une nuit en vie. I was very uncomfortable with two animals. Yeah. Hippos and lions. Every time I saw them, I'm always nervous. Look, look, lions, lions. Toujours des moments de stress là, de se rapprocher de lions comme ça surtout. Là tout le monde pourrait les accrocher avec la voiture. Alors là pour le coup on est très très proche là. You've been close to jump in front of three lions. That was crazy for me. Oh merde les gars, on était coincés à côté du lion. We're not gonna get jammed. Huh? If it's getting stuck, we have to come out and dig. This one person is going to help us. Which is you. You are the hero. You have to do. On entend le bruit d'un autre lion qui les appelle, on dirait. Ça, c'est Nando. Mais il y a un autre lion qui les appelle. You have a great accent in lion. I thought they were very rare animals and they're gonna took us a long time to find them. But technically, we saw a lot of lions.
Alors là, ouf, il y a une forte odeur de carcasse. Apparemment, ce serait sûrement un éléphant parce que là, c'est puissant là. Oh là là, je vous ai pas les détails. Oh là là, mais le truc, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on soit proche de Lyon. Et là, on doit être vigilant, aux aguets. On est avec des suicidaires parce qu'ils veulent aller voir, ou en tout cas essayer de trouver via l'odeur, l'éléphant qui serait mort. Dans quoi on s'embarque encore? Dans quoi on s'embarque? Alors là, apparemment, notre guide aurait entendu, et là, ça, c'est son sixième sens qui a travaillé, un léopard dans le coin, qui peut-être aurait eu peur de notre voiture en passant proche de lui. Nando s'était bel et bien pas trompé. Il y avait un petit félin dans le coin, mais là, j'avoue, j'étais pas préparé à ça, parce que là... Mais dites-moi, c'est pas le truc le plus mignon de la planète Terre? C'est trop, j'avais envie de sortir de la voiture et de leur faire un câlin. Après, j'ai vite réalisé que c'était pas des chats, c'était quand même des lions, et qui se trouvaient relativement très très près de nos tentes. Apparemment, il y a des lions qui sont pas trop loin dans le coin. Franchement, une belle ambiance. C'est moi qui étais stressé par rapport à notre pneu qu'on devait changer. Là, on est vraiment dans l'extrême au niveau du stress. Vous pensez qu'on va survivre ou pas? Il y a une rivière apparemment où les hippopotames sortent le soir. Par contre, fais juste attention aux énormes classiques. Ça, c'est pas une merde de chien là, attention là, viens ici. Bon, pour cette nuit, pour pas changer, on a des hyènes dans les alentours. D'après moi, c'est à cause de la carcasse d'éléphant qu'on a trouvée, qui est vraiment à côté de notre camp. Donc ça va attirer toutes sortes de prédateurs qui, eux, forcément, sentent beaucoup mieux que nous. Vous entendez? Madi, on a un problème. Madi. On s'approche de près, non? Ouais, jure, il a peur. C'est ça, cours. Il peut pas se retourner contre nous. C'est quoi cette scène de fou? Alors là, c'est le moment où je raconte ma vie, mais je suis un très grand fan de thé et surtout un très grand fan de silence. De silence, Mathieu. Pardon, de ferme, c'est bon. J'ai proposé d'aider, de m'assurer que les pneus sont bien vissés. Et en même temps, il a vu ma force surhumaine. Il s'est dit, forcément, il faut qu'il teste là. Everything seems okay, sir. You want to double check? Yeah. So it was. You're right. My bad. Thank you. S'il y a un lion qui te tue, tu vois par quelle partie du corps il va commencer. Oh, what? Des fois, on tombe sur des trucs là, franchement, improbables. Genre là, on peut plus passer sur la route, regarde. Le cannot pass? Bon, ben, c'est officiel. Apparemment, on peut pas passer par là. Bon, imagine, on reste coincé ici. Imagine, on reste coincé là. Oh là. Puis il y a la pierre, hein, personne maintenant. J'avoue. Allez, suivez-moi. Hey, il vient de me dire un truc de fou là. Bon, déjà de base, on a dû vérifier qu'il n'y ait pas de léopard au-dessus. Ça, c'est certifié. Mais apparemment, il peut y avoir également des pitons. Et Mathieu, tu peux le définir de façon aussi effrayante que tu me l'as dit? En fait, les pitons, quand ils attaquent, en général, ils prennent. Bon, ça arrive qu'ils prennent un peu de hauteur et qu'ils se laissent tomber sur une victime. D'accord. Et donc, du coup, si toi, il t'attaque, il va planter ses crochets. Autour de ton bras ou quelque part, plus tu vas essayer de te débattre, plus il va les enfoncer, puis lentement il va s'enrouler autour de toi. Au départ, ça va pas être fort, ça va être bien, et puis dès que tu vas dégonfler ta cage thoracique pour souffler, là il va serrer et tu vas plus réussir à regonfler ta cage thoracique. Ok, on va juste changer d'endroit parce que l'arbre, ça là je suis pas confiant. But in this area there's not a lot of animals, no? The area has got actually quite a lot of variety of lions. Variety of lions, yeah, so not only lions, no. Variety of lions, okay. Okay, so let's eat it, let's eat quick. In France, when we make sandwiches, we say salad, tomate, onion, chef. Salad, tomate, onion, chef. Yeah. Uh-huh. Ah ouais, regarde l'état du pont juste avant. Il a dit à tout moment, le deuxième peut casser. We saw some villages. Hippos were very close, yeah. Lions. Ce sont pour moi franchement les humains les plus courageux du monde entier. Alors, je sais pas si je pourrais vivre ici sachant qu'il y a des animaux
très dangereux à côté. Durant nos heures de déplacement, on a vu que deux villages. Et c'est fou à dire, mais le premier village s'est fait attaquer par une bande de babouins. Like you saw them on top of those metal. Yeah, yeah, yeah. They were looking try for food. To steal. And some jump inside, try to look around, and the guys has to chase them. They're dangerous. They are. Those guys, they can kill a leopard because they've got a very big cannon teeth. Yeah. When they grab, they can tear into pieces and get to the villages, destroy the fields of people, and even try to kill people. It's my first time to see them get into the village like this too. Crazy. Yeah. Crazy. Imaginez juste devoir vivre ça au quotidien. Mais c'est clairement pas le pire parce que le deuxième village qu'on a croisé avait ça comme voisin. C'est pas des blagues, des lions et des hippopotames qui se dirigent tout droit vers chez eux. On est enfin arrivé à notre deuxième destination. Dans l'idée, on a juste déménagé. Ouf, ça va être une nouvelle nuit dans un nouvel environnement. Espérons que c'est pas plus effrayant que les premiers. Apparemment, elle est très cool pour trouver des animaux incroyables. Espérons pas de serpents cette fois-ci. Snakes is one of the very sensitive animals. He doesn't like where humans are. They don't like us. They don't like us. Especially black mambas, they are very secretive animals. And just remember, if a black mamba bites you, yeah, you're obviously dead, and you have like 3 or 4 hours to live, and that's it. But yeah, and this time of the year, that's when the snake are more active. That is why, that is why I was saying, every time when you go out or when we are here, yeah, don't let your tent unzipped. Yeah, because they can, by mistake, find themselves going across the camp. Il est approximativement midi et il faut absolument qu'on fasse une sieste parce qu'il fait tellement chaud. Ça sert absolument à rien de se déplacer. De toute façon, tous les animaux comme nous vont dormir. Trop d'énergie dépensée pour cette chaleur là, c'est abusé. Là, j'ai envie de faire une petite sieste parce qu'honnêtement, j'ai dormi peut-être 2 heures hier. Mais le truc, c'est qu'il fait 40 degrés. Il fait tellement chaud. Ça va être dur. Je suis quand même en face de à peu près une dizaine d'hippopotames qui m'observent. On regarde. Et tranquillement, on commence à devenir un peu potes, je pense. On va bien s'entendre au final. Tu veux aller leur parler? Non, mais j'ai déjà parlé tout à l'heure, t'as pas filmé, c'est ça le problème. Il faut être actif là, des fois. T'inquiète, de toute façon, je gère la situation, si à quoi que ce soit, je te protège, y'a pas de soucis. Merci, Malice. T'as compris. Ils nous disent bonjour. Faut leur répondre. Tu viens de l'insulter là. Il faut savoir que les hippopotames la nuit sortent de l'eau pour aller se nourrir et donc c'est là où peut y avoir des rencontres un peu dangereuses. D'ailleurs, la nuit commence à arriver. J'imagine qu'on va pas passer, on va pas dormir à côté de chez eux, je pense. À moins que tu veux qu'on fasse en place des tentes là ce soir ici. Là, ça serait dangereux pour le coup. Si on plaçait nos tentes ici, il y aurait des gros risques de se faire renverser la tente. Tu connais eu des visites cette nuit hein. Ouais, j'ai entendu des trucs. Il y avait quoi? Des hyènes. Mais genre, il y en a une qui est passée là. Genre, tout près de ta tente. Je l'ai senti littéralement passer là. Et elle a fait un ces bruits, ça m'a glacé le sang. Vraiment, j'étais en mode, oula, je bouge pas, oula. Et ils sont allés dans les trucs de bouffe là. Ah putain. Et moi, j'étais sous stress. Je me suis dit, ah ouais, dernière nuit ici, on va crever. Il y a aussi d'autres aspects qu'il faut qu'on combatte, et qui est la maladie. Je dois prendre ces médicaments là tous les jours pour éviter de mourir du paludisme. Je l'ai pris depuis mon arrivée, depuis l'aéroport. Je suis obligé de prendre ça tous les jours parce que sinon, rest in peace. Hein. D'ailleurs, en passant, Louis a souffert au début, il a eu des vomissements, il était étourdi et tout. Mathieu, en ce moment, est sous fièvre, il tousse. Moi, ça va. Moi, pour l'instant, ça va. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, je suis tranquille là-dessus. Là. Les animaux ici, c'est clairement pas notre seul problème. Et vous savez qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est des termitières. Ah, t'es pas convaincu de celle-là? Dans cette merde, bon, ça reste quand même quelque chose de naturel, tu vois. Genre. Oh là là! Fait par des millions de petits insectes, c'est incroyable! C'est un bijou de la nature, quoi. Genre vraiment, c'est beau, non? En tout cas, cette merde, c'est une termitière. Non, en vrai, c'est vrai que c'est effectivement magnifique. Mais le truc, c'est que j'ai pas trop envie de me rapprocher. Sachant qu'il y en a littéralement partout. C'est la pointe de l'iceberg. Dans le sens où il... Dans le sol, là, c'est 2-3 fois plus grand. On le voit, hein, d'ailleurs, hein, tu vois. C'est pas qu'un bloc posé, hein. C'est que là, en général, on dit qu'il y a une termitière, il y a un tiers qui est au-dessus de la surface, 2 tiers en dessous. Parfois, quand je dis que les nids de termites sont plus grands que les girafes, ils me disent « Allez, arrête, plus grand qu'une girafe. » Non, mais juste regardez à quel point nos tentes sont à côté, juste pour que vous voyez après l'ambiance. Là. C'est la vie sauvage, mon cher.
lui qui est pas à l'aise. Malgré le fait qu'on a vu un paquet d'animaux, dites-vous que j'étais quand même un peu sur ma faim parce qu'il y avait un animal en particulier que je rêvais de voir. Mathieu et Nando me répétaient, mais on peut pas te promettre qu'on va le trouver, c'est vraiment très 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 difficile. Ça fait partie d'un des plus durs à trouver dans la brousse. Mais bon, je pense que depuis le début de l'aventure, vous commencez un peu à comprendre. Si on roule aussi lentement, c'est pour une raison bien particulière. Okay. C'est qu'on est dans une zone où potentiellement il peut y avoir du léopard. On a entendu des cris d'alerte de certains animaux. Et là, on est en train de chercher sous les buissons pour voir s'il est là. C'est l'animal le plus photogénique. Déjà de rien, mais il faut savoir que c'était surtout l'animal que j'avais le plus envie de voir ici. Sachant que je ne savais même pas que c'était possible de le voir parce que dans ma tête, ça fait tellement espèce rare, espèce dure à trouver, solitaire, l'homme mystérieux, le Dark Sasuke des animaux. Non, franchement, j'ai vraiment sérieux. On réussit à trouver ça. Je suis vraiment très heureux. Please. C'est ce qu'il y a de plus dur. Please. Ah là là là, look, here. Jure. Here. Non. Don't go too close. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de malade. Il est magnifique. Oh la séquence, je vous jure, je suis choqué. Genre, on a parti la caméra. Il m'a annoncé ça 2 minutes après. Mais c'est une meuf ou un mec? It's a male, hein. Ouais, beau gosse, c'est ça que je disais. Il y a une raison pourquoi ils sont solo comme ça? Les léopards sont solo. Et pourquoi? Parce que tous les félins sont solo. Ah. À part le lion. Mais comment ils font pour retrouver d'autres léopards pour s'accoupler et tout? Juste ils font des... Ils laissent des hormones, des trucs ouais, comme c'est ça, à l'odeur. Mathieu, par contre, faut juste qu'on confirme. On est d'accord, ce qu'on a fait, c'était pas une mise en scène. Genre vraiment, on a parti de la caméra. Ouais, et je vous promets, même pas 2 minutes après, boum, on voit qui? Mon gars. Tu vas me dire que t'as jamais vu autant d'animaux en si peu de temps? Là, voir autant de key species, c'est-à-dire des animaux rares, c'est jamais arrivé. J'ai envie de dire que la chance nous sourit. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis quelqu'un qui a été extrêmement chanceux. Je vous jure, la journée n'a aucun sens. Là, apparemment, il y a quoi qu'on va aller chercher, mon cher Mathieu? Bon, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'on voit, mais on a entendu 2 léopards en train de s'accoupler. C'est un bruit très particulier. Du coup, on va aller voir si on les trouve, mais la brousse est tellement dense. Mais t'es définitivement, m'a dit, ce qu'on appelle une patte de lapin. C'est-à-dire, à forte chance. Eh, on va voir encore des léopards potentiellement, je suis choqué. On est dans le paradis du lion. Et il y a des éléphants qui sont juste là. Ah, ils sont là. Oh. Putain, je suis choqué, je les revois encore. Oh, le plan que je suis en train de voir, il est magique. Je vois des éléphants avec des léopards posés. C'est trop beau. C'est étonnant de voir à quel point là ils restent endormis, alors qu'à 15 mètres d'eux, il y a tout un groupe d'éléphants. En vrai de vrai, ils sont vraiment plus petits que j'aurais pu imaginer. Ils sont tout petits. Regarde celui-là. Ils sont trop mignons. Là, il y a donc un mâle et une femelle. Et effectivement, attends, ça c'est la femelle à gauche? Là, c'est difficile à dire. J'aurais dit plutôt la femelle à gauche, le mâle à droite. C'est exactement ce que je viens de dire. Pardon, excuse-moi. C'est moi l'expert ici. Un gros léopard, il peut atteindre 90-95 kilos. Ok, quand même. Mais ça, c'est un léopard énorme. Des léopards énormes, j'en ai vu peut-être une ou deux fois dans ma vie. Ok. Ça, là, ces léopards, ils doivent faire 50-60 kilos. Ils sont vraiment beaux. Là, pour le coup, je t'avoue, il n'y a pas eu beaucoup d'animaux où j'ai envie de faire un gros câlin, mais oh là 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 là. Je me retiens, tu sais ça? Attends, on est en train d'assister à ça. Oh! Putain, ça a duré longtemps. C'est tout. That's it. Yeah. It was very long, hein. Et dans les trucs improbables dans ma vie, je pense qu'on est dans les tops là. Je viens de voir 2 léopards s'accoupler. Du froid cette nuit. T'as entendu les bruits? J'avoue que j'ai essayé de dormir le plus possible. Quel bruit. Vers 10h15, 10h20, il y a eu un énorme rugissement de léopard.
À 50 mètres de la tente. Ah oui. Ouais. J'espère que j'ai pas ronflé, peut-être que je l'ai attiré là. Il est quelle heure là? Dis-moi, dis-leur juste pour... 5h30. C'est des rêves comme ça, ça pique pas du tout. Let's go, on est parti alors. Ah ouais, c'est grand. What? Eh, hey, c'est fou cet animal, il est tellement... Je sais pas comment le définir, c'est particulier de le voir en vrai. On sait tous que ça existe, mais on dirait que c'est un mythe. Son cerveau est plus petit que son œil. Attends, répète ça. Le cerveau de l'autruche est plus petit que son œil. Bah alors, on est débiles. Je vais manger une omelette d'autruche. Si j'ai mangé une omelette d'autruche, c'est la même chose que des œufs normaux, mais genre en plus gros, moins XXL. Un œuf d'autruche, ça nourrit 14 personnes en omelette. On n'a pas pris le petit-déj en plus. On va... Oh, il se passe une dinguerie là, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, il y a un lion qui a tenté. Oh là là là. Oh là 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 là. No, the problem, this is the baby who doesn't know how to hunt, and the big mother was incroyable. C'est quand même de vivre là, c'est incroyable. Ah ouais, les gnous qui sont pas sereins, c'est ça qui arrive quand tu te mouffes à ça. C'est ça qui arrive. If you go lots of different country overseas, they don't have any wild animal because they've been killing them and feed on them. If we keep on eating this, it's going to finish. And it will be no good nature or good culture or good forest. Franchement, c'est un des endroits les plus exceptionnels que j'ai vu de ma vie. Bon, forcément, j'ai envie de dire, c'est pas choquant. Voir des créatures que j'ai vues que dans des documentaires, que dans des reportages, que à la télé, que sur YouTube, les voir en vrai, c'est vraiment un truc exceptionnel. Franchement, c'est... Je peux pas vous exprimer l'émotion, mais il faut que je vous le dise, il fallait que je vous partage. Donc, voilà. C'était très beau ce que tu viens de dire. Alors là, je vous disais Hakuna Matata depuis le début de la vidéo. Si je vous dis Timon, eh oui! À tout moment, il y a un lion qui arrive là. Je me sens en grand danger. Vous inquiétez pas, il y a méga Timon qui seront là pour me protéger. Et dans ma tête, ils s'appellent tous Timon. Hein. C'est bon, je vais vous aider là, parce que là, vous galérez un peu, non? Vous trouvez pas? Lui, ça fait 2 heures, il cherche. T'inquiète, je surveille les environs. Vas-y, creuse. T'as trouvé! Je suis fier de toi. C'était quoi ça? C'était un scorpion? C'est quoi ça? Et partage, j'ai fait le guet tout le long. Aïe, Arthur, comment tu déchiques ça, ouais! Aïe, Arthur. C'était vraiment ignoble comme moment. Non, mais il est mignon de fou. Déjà, quand il l'a sorti, quand il a commencé à déchiqueter là. C'est vraiment des trucs les plus mignons sur Terre. Le fait qu'il soit juste à côté de moi là, c'est trop. T'inquiète, surveille, t'inquiète, vas-y, creuse. Au calme, frérot, t'inquiète. Moi, je te dis, il y en a un là. Écoute-moi, je suis un expert là. Ici, il y en a un. Mais, regarde-moi là. T'inquiète, je vous surveille. Il y en a un juste là. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue incroyable. Je suis en compagnie de quelqu'un qui est natif d'ici et franchement, il y a une langue qu'il est en train de m'apprendre qui est si complexe, si particulière et tout. Et il faut que je vous partage ça, clairement. So you're telling me, to save water, we need to do... Go, 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 yeah. Go, yeah. Go, go, yeah. Go, perfect. Go. Perfect, yeah. Okay, I'm fluent now. That's water, yeah. Okay. It's like a suction. Yeah, just the tip of it up there. That, then this is from here, like horse and to the horse. Yeah. So. And if you make a full sentence, how does it sound? What did you say? We met yesterday. Yeah. Did a drive. Yeah. And night drive.
today. Yeah. I'm so happy that we're spending time with the new kids. Oh, amazing. And it sounds so different from what I'm used to. Yeah, it's so nice. It's so incredible. Can you say how we say follow me? Follow me. It's a come me. Come me. Yeah. Come me. Come me. Come me. D'accord. Vous savez quoi faire là? Yeah. Oh, it's hard. Come me. Yeah. Like from, you remember? Yeah. Yeah. Come me. Come me. Yeah. Come me. Me is still me. Yeah. Après l'effort, le réconfort. Alors là, dites-vous que forcément, on s'est dit qu'après 7 jours de courbatures, 7 jours de sécheresse, 7 jours de pas mal de trucs, pourquoi pas profiter de dernière nuit dans un espace un peu plus, détente, un peu plus relax. Déjà, regarde ça un peu la vue que j'ai. On est vraiment dans l'aridité totale. Ça dit ça, aridité totale? J'invente des mots. Venez, 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 je vous fais un petit tent tour. Là, on est vraiment dans un cadre beaucoup plus luxueux de que ce qu'on a pu connaître là. Hop là. C'était vraiment l'entrée de gamme, en plus ça qui est le plus choquant. Donc là, on a un ventilateur. J'ai oublié à quel point cette invention est incroyable parce qu'il faisait tellement chaud durant les nuits. Trop bien comme invention. Des moustiquaires. Tu te rappelles, Louis, c'était quoi un moustiquaire? Parce qu'on dormait avec des moustiques, des mouches. C'était chiant un peu, mais ça franchement, game changer. Une toilette. Fini de faire caca dans des trous là. Et ça marche. Incroyable. C'est un truc de fou, une vraie douche. Donc là avec un lavabo. Pas besoin de se laver avec l'eau en bouteille. En plus ça, on reste tout de même dans la nature. Mais vraiment c'est pas mal. Et ne croyez pas qu'on a dormi ici tout le long. Hein. Louis derrière la caméra va confirmer, on était bien tout le long. Parce qu'imagine, imagine les gens vont peut-être croire qu'on dormait ici tout le long. Et des fois on faisait des petites séquences en cabane et tout là. Non, croyez pas ça. Là on est vraiment sur la dernière journée. Et on profite un peu de cette dernière journée pour relaxer et tout. Parce que je vous avoue, les 7 jours, autant on a vécu des sensations, des émotions. Mais je pense que l'adrénaline a beaucoup aidé sur le fait qu'on soit réveillé constamment. Parce que, ouf, c'était fatigant. It's something that I always dream of, being here. Since I was a little kid, I always wanted to see lions in front of me. Always wanted to see hippos. But I'm enjoying myself like never before. This is something unique. This is a crazy experience. And I don't know if I will have those intense emotions again in my life. Je suis quand même assez curieux, d'après toi. Parce que là, on va retrouver éventuellement du réseau. Est-ce que tu penses qu'on a manqué une guerre nucléaire? Est-ce que tu penses qu'on a manqué... Qu'est-ce qu'on a pu manquer? Oh, il y a un premier contact avec des extraterrestres. Imagine, genre on a manqué ça. Je pense que le truc qui va plus me manquer ici, c'est le ciel. Hein. Je vous jure, j'ai toujours vécu dans des villes où la pollution cachait littéralement toutes les étoiles. Mais là, je n'ai jamais vu un ciel aussi beau. Et apparemment, justement, c'est le ciel le plus beau au monde. Je peux facilement valider ce statement. En tout cas, j'ai jamais vu aussi beau. Mathieu, ça t'arrive à des gens qui viennent ici d'avoir un syndrome où ils ont envie de revenir? En général, il y a un petit moment de déprime, ouais. Quand on revient à la civilisation, ça dure 2-3 mois. Autant j'étais stressé et anxieux au début, genre vraiment pas dans ma zone de confort. Plus en plus j'étais à l'aise. Non, franchement, ça va me permettre de relativiser sur plein de choses. Surtout quand tu vis dans une grande ville. Non, on est choyé de plein de choses. C'est cool. Si je devais synthétiser tout ça, c'est le genre d'aventure qu'il me fallait dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui aime bien dans sa zone de confort, mais des fois, c'est pas pour le mieux. Et j'ai cette chance grâce à Internet et surtout grâce à vous indirectement. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais la plupart d'entre vous, vous faites intégralement partie de ma vie. Ce qui fait que vous me poussez, sans nécessairement le savoir, à toujours me remettre en question et à essayer de proposer le meilleur de moi-même. Ce qui est clairement pas donné à tout le monde. Et tout ça, c'est grâce à des étrangers sur Internet qui me donnent la force au quotidien. C'est pas un truc de fou? Donc je tenais à vous remercier énormément. Et c'est sur ce genre de musique de type Naruto que je vous annonce que ça, c'était que le début. Thank you.
Hakuna Matata. Hakuna Matata.